Salut à tous! Bienvenue, petite vidéo du matin. C'est le matin de la nouvelle. De nouveau lieu. De la new location. Yaden, il est là-bas dans le coin. Toujours là-bas. Salut! Coucou, Volvi m'a pris au petit-déj en me disant faut qu'on fasse une vidéo sur le nouveau lieu. Je dis d'accord, et on en est là depuis. Ça sort à 5h. On essaie de vous la faire avant midi. Comme ça, vous avez plein d'heures pour avoir nos conseils pour essayer de gagner plein de cubes pour aller vers l'infini et l'au-delà, comme nous. Avec ces sites qui vont apparaître beaucoup plus souvent pendant la 48 heures. Du coup, là, c'est le nouveau lieu. Il vient d'arriver, c'est le bar Sinistre. On avait déjà Sinister Castle, un truc comme ça. Un truc de Monsieur Sinistre qui faisait des copies à un autre endroit. Là, le bar Sinistre, c'est vous jouez une carte, ça remplit l'emplacement de copies de cette carte. Donc, en gros, vous allez faire un x4. À peu près, si vous l'avez laissé tranquille. Voilà, si vous n'avez pas mis des trucs sur des sites pas révélés, etc., vous allez avoir cet effet-là. Du coup, on a essayé de réfléchir et on va vous donner ce qu'on pense sur ce site. Site qui va être très intéressant parce qu'il peut faire changer plein de choses sur plein de stratégies différentes d'Aine. Oui, parce que quand tu fais x4 sur certaines cartes, ton deck, il change de dimension. Alors, j'ai fait un petit deck pour avoir les cartes dont on va vous parler. Ne refaites pas ce deck, surtout. Ce n'est pas un bon deck. C'est pas jouable, ça. Si vous gagnez une partie avec, à la limite, envoyez-la nous, on la met en vidéo, mais ce deck est nul. Mais alors, après, peut-être que ça marche, mais ouais, au moins Patriot et Cerebro dans le deck vont pas faire grand-chose. Voilà. Du coup, plusieurs trucs. Il y a d'abord, premier truc auquel on peut penser, ça va être les Unreveal. Parce que on le sait avec le dernier qui en fait deux, les on reveal c'est très fort parce que tu le fais deux fois. Là, tous tes on reveal vont être faits quatre fois. Oui, et il y a pas mal de on reveal où quand on le fait quatre fois, l'adversaire est quasiment privé de certains aspects du jeu. Voilà. Ici, vous avez Iceman qui va monter le coup en main. On a Yondu. Yondu qui peut péter le deck adverse. Vous pouvez potentiellement, si vous avez un T1. Le site qui se relève à Yondu, vous lui pétez 4 cartes du deck, je peux vous dire côté 6 il pioche plus. Hein. Voilà, et un truc important à dire, avec Falcon, vous pouvez faire le T1, le récup, le rejouer. Donc pour Iceman c'est du plus 8, pour Yondu le deck explose, il le perd pour la partie d'après. Voilà, mais il y a plein de petits on reveal si ça coûte 1, ou potentiellement vous pouvez faire l'effet 8 fois. Voilà, dans le même idée que Yondu, j'ai mis Câble qui peut voler. On peut aussi dire qu'il y en a après, parce que là, on a mis des T1 pour le principe, mais on a mis aussi Gambit. On pourrait penser aussi au Lézard, qui va baisser... Non, c'est pas le Lézard. Non, le Lézard, alors en face, le Lézard, c'est le 4-2-2. C'est le Scorpion, je les confonds toujours. Oui. C'est le Scorpion qui fait x4. Voilà, qui baisse la main de 4. C'est compliqué de jouer après. Du coup, voilà, Léon Reveal, ça marche. Attention, par contre. Cosmo existe. Potentiellement, en counter, si les gens jouent beaucoup ça, vous pouvez rentrer Cosmo dans le deck. Vous mettez Cosmo sur... vous faites 4 Cosmo, votre adversaire, il a fait son T1 pour en faire 4, et il ne s'active pas, vous avez gagné. Voilà, alors après, sinon, si c'est Cosmo, peut-être le plus tôt le mieux. Du coup, peut-être que Scarlet Witch sera mieux. Oui. Ça, après, il faut voir, faites des tests. Voilà. On a aussi pris Ebonimo, pourquoi? Parce que c'est tout con, hein, mais Ebonimo, ça coûte 1, vous le posez. Il va se multiplier 4 fois, ça fait 28. Fait 28 sur le site pour 1. Vous avez dépensé 1 de mana, vous avez un site à 28. Voilà. Si vous avez un deck qui n'a pas besoin des 3 places et qui joue très bien sur 2 sites, vous pouvez juste dire, tiens, vas-y, montre-moi si tu bats 28 ou pas. De temps en temps, vous avez un site gratuit, vous n'avez plus qu'à en gagner 1. À un autre moment, l'adversaire va quand même devoir commit. En général, Ebonimo, il va contest des T4 et des T5. Mmh. Deuxième stratégie, les ongoing. Oui, et d'ailleurs, je le vois qu'il n'est pas dans ton deck. L'un des unreveal pour moi les plus cool, c'est Black Widow. Voilà. Oui, Black Widow, ça peut être très marrant aussi. Black Widow, c'est rigolo, la main en face explose. Mais du coup, les ongoing. Alors, les ongoing qui se stackent. Par exemple, Cosmo ne va pas annuler les 4 prochains Unreveal, hein, qu'ils soient là une fois ou 4 fois, c'est pareil. Du coup, là, on a mis Cerebro, on a mis Patriot, on pourrait mettre Khazar, on pourrait mettre Blue Marvel, on pourrait mettre potentiellement, si c'est au milieu, un Monsieur Fantastique, on pourrait mettre Klo,
Aussi. Sur le principe, on pourrait mettre Punisher. Si vous êtes le free-to-play et que vous n'avez pas beaucoup de cartes, Punisher, normalement, sur le principe, ça vous fait 4 x 6, c'est un 24 pour 3 manas. Ah ouais, c'est 3 pas mal. énergies. C'est pas mal. Du coup, voilà, ça va bien buffer les effets. Ça va être moins incroyable que Leon Reveal potentiellement, mais vous allez être très 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 solide sur vos autres lanes. Donc Voilà. il y a ça. Deuxième chose, enfin troisième chose plutôt, il y a juste bah mettre des gros trucs. On voit Jessica Jones. Tu mets. Ouais, mettez du poing. Donc, ouais. Jessica Jones, en fait, l'idée, c'est que vous n'allez pas jouer dessus ensuite, vu que c'est plein. Du coup, vous dites, bah voilà, 4 x 8, 32. Très bien, à toi. On voit Dracula, si vous jouez discard, quand les Dracula ils vont balancer Apocalypse 4 fois à la fin du à la fin du match, le dernier Dracula il va être vraiment gros. Normalement vous Voilà. gagnez la lane. Et si par hasard vous avez un petit Morbius qui traîne à côté, Morbius il est 8 et on n'a même pas commencé à discard. Voilà. Donc Donc ça fait des choses. Moi j'aime beaucoup le Morbius Dracula, je vais pas mentir, c'est mon petit préféré de la liste aujourd'hui. Bien sûr, Serra, parce que c'est très fort, c'est tout dans la main, tout dans la main va coûter 1. Ouais, Et tout, oui, ça. tout dans la main derrière, vous faites le tour que vous prenez le jeu et vous choisissez le tour que vous avez envie de faire. Ça arrive un peu tard, mais bon, on a mis les Infinautes, parce que bah oui, si vous mettez 4 fois Infinautes, normalement ça fait Celle-là, 80. elle est gagnée. Voilà. Hein. Vous pouvez. Normalement, la strat avec Infinite, c'est vous avez 4 tours pour gagner un site, et tour 6, vous avez l'autre, qui est offert. C'est un Happy Meal, c'est le cadeau. Voilà. Mais du coup, ça peut marcher avec d'autres gros tons, Oui, il y en a plein. Tu peux faire Giganto, Hulk. 4 fois Dino, tu peux faire 4 fois Collector, tu peux faire 4 fois Bishop. En fait, toutes les cartes qui peuvent grossir par des effets extérieurs, alors pas Angela, parce que vous avez pu jouer là. Ouais. Vous pouvez les jouer et ensuite le truc c'est que vous allez pouvoir manipuler votre main ou vos cartes pour les faire grossir en fonction de ce que l'adversaire a fait dessus. Voilà. Les derniers petits trucs auxquels on a pensé quand on faisait. Alors. Captain Marvel et Vision. Captain Marvel, vous posez 4 Captain Marvel, à la fin elle va décider de comment elle fait pour gagner la partie, c'est marrant. Oui. Normalement, nous on a appelé Ben Brod, on lui a demandé une animation spéciale, une petite farandole, une petite ronde, un truc, elle se tienne par la main, elle tourne en Ouais. rond, les chaises musicales, quelque chose. Ça marche aussi avec Vision, qui a même plus de force, et c'est vrai que Ouais. le combo, tu poses Vision au T5 sur le bar sinistre, ça en fait 4, tu vas le mettre où tu veux sur tes outlanes, et au T6 tu poses ton gros ton, ça a l'air de Voilà. pouvoir marcher. Si vous êtes en pool 2, moi c'est un truc que je tenterai. Vous faites un Vision et derrière vous lâchez un Hulk. Peut-être juste Odin, c'est gros, ou América Chavez, des choses comme ça. Et voilà, l'idée c'est on pose Vision, tour d'après on sépare, on fait Moïse, hein, et on met un autre ton à la place. Et ça fait quand même 28 sur Vision, plus 4 fois le ton. En termes de points, ça a pas l'air dégueulasse. Ouais. Et pour terminer la vidéo, il y a les fausses bonnes idées qu'on a vues, qu'on a lues et sur lesquelles on est en mode genre faites un peu gaffe les gars. Voilà. Première fausse bonne idée, c'est waouh, trop bien, on va faire plein d'Iron Man. Oui, mais tu Mais fais plein 4 x d'Iron 0, ça Man. fait 0, hein. Voilà, c'est 4 fois 0, ça fait 0. Donc ça veut dire qu'il faut que tu aies déjà de la valeur posée sur ta lane. Donc que tu les pré-shot avec un T1. Ouais. Du coup, mais si ça l'est pas, bah du coup c'est un peu con. Ok. Il faut. Ou alors que tu le buffes derrière, mais du coup, est-ce que t'as pas Ça a juste l'air envie de jouer. extrêmement compliqué comparé au reste. Voilà, potentiellement ça peut marcher, hein, et moins bien. Et alors, l'extrêmement mauvaise idée qu'on nous a mis dans le chat, dédicace à Timéjo. Alors il a expliqué depuis et c'est pas une si mauvaise idée que ça. Ok, d'accord. Voilà. Mais moi je pense quand même que c'est une mauvaise idée. D'accord, et bah vas-y. Tu attaques Timéjo, je défends Timéjo. Voilà, c'est Green Goblin. Green Goblin, parce que ça en fait plein et l'adversaire récupère les Green Goblins. Le problème, c'est qu'en fait, si vous jouez ça, vous allez être obligé de jouer un comment ça s'appelle, un deck qui va être agressif au début. Parce que si vous êtes second joueur, Là non, ah non, et soyez premier, jouez ça en casou, hein. voilà. Si vous êtes second joueur, vous posez un Green Goblin en mode haha, je vais te mettre moins 12, mais que l'adversaire a joué lui aussi un truc, du coup un Yondu, un Iceman, tous ces trucs qu'on a là, un Patriot, parce qu'il est en avance, tu vois, il a mis des Spiral Girls, il a mis des machins, il va remplir son board, et du coup vous avez votre Goblin qui va pas pouvoir partir, et qui va se stacker chez vous, et vous avez auto-perdu la lane. Mauvaise Voilà, idée. mais du coup, l'idée, c'est d'être agressif, d'être le premier à reveal, et du coup, vous allez lui mettre 3 Green Goblins en garder 1, et lui ne dupliquera pas sa carte, et s'il n'a pas joué, vous lui mettez les 4. Oui. Voilà, juste faites gaffe, ce n'est pas à mettre entre toutes les mains comme combo. C'est ça. Je comprends l'idée, mais
faut faire gaffe. Parce que. Voilà, tout ce voilà. qu'on dit, c'est faire gaffe. Mais voilà, du coup, c'était tout oh, mon conseil. Il y en a une qu'on n'a pas dit. Oh. Il y en a une qu'on n'a pas dit, que je viens d'y penser parce qu'elle est rigolote. Mojo. Ah oui, bah oui, Mojo. Mojo, bah ça rentre dans les ongoing, c'est vrai qu'on n'a oui, pas mais parlé de. Voilà, moi ça m'a embêté qu'on l'ait pas dit parce que c'est 32 pour une carte. Et c'est voilà. En termes de rapport qualité-prix, c'est peut-être la mieux. Hein. Voilà, c'est vrai que du coup ça fait 8 pour 2. Tu vois, c'est pas mal. Voilà. On espère que ça vous aura aidé. Dites-nous dans les commentaires, comme d'habitude, si vous avez d'autres conseils, si vous avez vu d'autres trucs. N'hésitez pas à nous partager. Et aussi, n'hésitez pas à nous dire, une fois que le site est passé, si, grâce à nos conseils, bah, vous avez un petit peu avancé sur le ladder et fait plein de cubes. Ouais, 48 heures de Barcinis, j'ai l'impression que ça va être long quand même. Ça, sur une journée, parce que quand je vois ce qui s'est passé dimanche avec Camartage, là ça va être 48 heures de bullshit, je peux encaisser. Hein. Oui, mais tu les as moins souvent, tu vois, comme c'est 48 heures. Oui, mais heures, c'est quand 50%. Même. Suffit de 2-3 games à la suite où t'es là en mode bah il se passe trop de choses. C'est vrai. On se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos sur Marvel Snap. Des bisous. Salut. Salut.